Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu remarquer, ce sera une petite vidéo où j'ai décidé de vous partager les tenues de Noël qu'on aura avec ma fille. Parce que mon chéri, je ne sais pas encore comment il veut s'habiller, donc je ne peux pas vous la présenter parce que je ne sais pas encore ce qu'il va mettre. Donc ma fille, je pense, ça va être sa tenue du 25. Le 24, je pense que je vais la laisser en joli pyjama, etc. Mais je pense que ça va être sa tenue du 25. Et moi, je pense qu'elle va faire 24-25. Je vais voir, mais voilà, ça sera au moins nos tenues du 25, donc du 25 décembre, du jour de Noël. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, et donc c'est parti. Je vais commencer avec celle de ma fille, et elle sera en toute tenue de Noël, comme ça. Donc là, je vous montre celle qui est en un mois, mais elle a exactement la même en 3 mois. Parce que en bas, elle peut mettre du 3 mois, et en bas du 1 mois, et en haut du 3 mois. Donc j'ai les deux tailles. Comme ça, ça sera plus simple, ça fera super joli sur les photos. Donc il y a des petits collants, comme ça, voilà, des petits collants, ça je m'amuse à lui les mettre, et une petite robe, comme ça, qui est juste trop jolie, qui fait trop Noël. Donc voilà, j'avais trouvé chez Intermarché pour 5 €, et honnêtement, elle est juste canon, j'aime beaucoup, voilà. Donc on verra, peut-être elle aura les collants du 1 mois et la robe du 3 mois. On verra bien, je sais pas du tout encore comment ça va se passer, enfin ce qui va lui aller en gros, ce qui va lui aller le mieux. Et ensuite pour moi, donc moi je vais mettre ce aussi qui est noir, voilà. Alors d'habitude je me mets en robe, mais vous allez voir que cette année je ne serai pas en robe. Donc ce haut comme ça, donc il y a de la dentelle en haut, les manches sont toutes en dentelle, j'aime beaucoup, voilà. C'est typiquement le genre de haut que j'adore. Voilà, ça c'est ma mère qui me l'avait pris. Je ne pourrais pas vous dire où parce que je m'en souviens plus. Je l'ai jamais porté, je l'ai gardé exprès pour Noël. Et au niveau du bas, c'est quelque chose que je ne porte jamais. Je suis tout le temps en jean, en jean, en jean. Et j'ai décidé de faire un petit changement comme ça. Et du coup, ça va être... Je vais essayer de vous le montrer. Enfin, je vais essayer de vous le montrer. Donc, je vais vous le montrer. Pourquoi j'essaye de vous le montrer? Je vais vous montrer plié, ça sera plus simple. Hop, voilà, vous le voyez déjà à peu près. C'est ce pantalon là. Donc vous voyez là, le motif, on va dire ça, c'est pas du jean. Et clairement, je ne porte que principalement du jean. Donc ça va être un gros changement pour moi. Donc voilà, pour nos petites tenues. Au niveau des coiffures, moi je sais pas du tout ce que je vais me faire. Je sais pas si je me tente mes deux tresses collées pour le 25. Ou juste mes deux petits trucs que je fais là. Je sais pas. Niveau make-up, c'est pareil. Je sais pas trop encore ce que je vais me faire. Mais je pense que je vous prendrai avec moi pour me préparer. Ou voilà. Bref, on verra bien. Donc, voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vraiment une très très courte vidéo. Mais je voulais vous partager nos tenues pour le 25. Et voilà. Donc écoutez, j'espère que c'est encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais très gros bisous et je vous souhaite un très très joyeux Noël, même si vous risquez de voir cette vidéo après Noël. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.